En clôture du 35e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, est revenu sur la situation politique en Libye. Pour un retour à la paix, il souligne l'importance de renforcer le couvert sécuritaire pour lutter contre le terrorisme et de tenir des élections le plus tôt possible pour mettre fin à la crise actuelle dans le pays. Sur la voie de ces échéances électorales décisives, nos frères libyens doivent se réconcilier par le dialogue, la tolérance mutuelle et l'acceptation réciproque, transcender les rancœurs accumulées et apprendre à se pardonner. Conscient des efforts entrepris par la communauté internationale, le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye s'est engagé à œuvrer en faveur du cessez-le-feu, de l'unification des classes politiques et sécuritaires. Un pas en avant vers un retour à la paix matérialisé par l'organisation des élections présidentielles et législatives. Il s'agit de la mise en place de la commission préparatoire, du règlement intérieur de la conférence, des composantes politiques et sociales appelées à participer, de la définition des quotas, de la date et du lieu de la conférence, du financement de la conférence, des acteurs internationaux et des observateurs à convier aux travaux. La stabilisation sécuritaire de la Libye, selon Denis Sassou Nguesso, passera par l'organisation de la conférence sur la réconciliation. Le but de cette rencontre est de réunir les différents acteurs libyens d'un pays déchiré par les conflits depuis 2011.